Eh bien, salut tout le monde, c'est Funky, on se retrouve sur World of Warcraft sous un temps un peu pluvial. Et donc là, on se retrouve sur du WoMOP pour mon premier guide des montures. Donc ça va être pour avoir les serpents, les trois serpents qui sont là. Donc le serpent nuage de Shad, le serpent nuage azur et le serpent nuage doré. Donc pour cela, il faut que vous alliez vous rendre à l'arboretum en Pandarie. Donc pour aller en Pandarie, il faut être 85, mais pour avoir le serpent de Jade, il faut être 90. Donc vous allez à l'arboretum qui se trouve juste ici, c'est écrit l'arboretum. Vous vous rendez ici et donc vous allez commencer. Attendez, je vais juste enlever ça parce que moi c'est ma réputation pour la prochaine vidéo. Dans une des prochaines vidéos. Donc je vais vous faire voir lesquels vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir le azur, celui que j'ai. Vous pourrez avoir le doré. Ce qui est assez... moi, celui que je préfère. Et après, bah, vous avez le serpent nuage de Jade. Donc voilà, donc vous allez vous rendre ici, là. Et vous allez commencer à faire des quêtes journalières. Donc les quêtes journalières, c'est quoi? C'est des quêtes qui vont être là toutes... tous les jours. Donc voilà, donc on va commencer par exemple. Alors, moi j'ai déjà mes serpents nuages, donc je suis déjà exalté et tout. Mais je vais vous dire quelles sont les quêtes qui vont le plus vite à faire. Alors déjà, il faut que vous commenciez à essayer de faire tous les jours les défis des dresseurs car au fond de neige et tous les défis des dresseurs parce que ça va super vite. Il y a aussi piquer sa curiosité, vous allez voir, ça va super vite. Après que vous soyez exalté, vous allez avoir une quête qui va s'afficher juste ici. Je ne me rappelle plus qui va s'afficher juste ici, je me rappelle plus du nom, mais en gros ça va vous demander d'aller je vais prendre mon dragon feuille. Ça va vous demander d'aller ici. Donc j'y vais rapidement. J'ai toujours ce bug d'ici. Ça met toujours que mon armure est pétée alors que je l'ai réparée. Il n'y a même pas longtemps. Excusez-moi si je parle un peu du nez parce que je suis un peu malade. Enfin, je commence, je suis enrhumé. Donc voilà, ça va vous demander d'arriver ici. Et arriver ici, et eh bien vous allez faire toutes les quêtes que vous demande celui-ci là, lui. Instructeur Tong, et après vous allez devoir retourner aller à l'arboretum pour que vous puissiez tout simplement finir votre quête pour que vous pouvez avoir la montre, parce que vous pouvez bien être être exalté mais ne pas avoir l'autorisation de monter sur les serpents nuages, parce que pour avoir l'autorisation de monter sur les serpents nuages, justement il faut faire la quête, la suite de quête qui va se dérouler. Et alors vous allez recevoir un œuf. Donc pour cet œuf vous choisirez celui que vous voulez. Donc moi personnellement j'avais pris le azur au départ. Et après vous pouvez venir ici pour venir acheter vos serpents nuages. Donc voilà. Alors ce que je vous dis d'acheter, sincèrement ça va beaucoup plus vite, c'est ceci. Donc après en fait il faut déjà être revéré pour pouvoir l'acheter. Donc exalté c'est mieux quoi. En fait, ça vous débloque un bonus de 100 auprès de les serpents nuages sur tout votre compte. En gros, parce que je vous explique, sur votre compte, si vous êtes level 60 et que vous pouvez pas, vous pourrez pas monter sur vos serpents nuages parce que vous aurez pas l'autorisation de monte et vous serez pas exalté au serpent nuage. Et justement, ça va vous augmenter la vitesse pour devenir exalté en faisant des quêtes. Donc, il y a aussi des quêtes qui sont sur PandaChain sont buggées, c'est-à-dire récupérer des petits œufs d'onyx. Utiliser la donne TomTom et avec des macros. Allez voir sur internet, vous trouverez vite, vous trouverez facilement si vous n'êtes pas sur PandaChain. Si vous êtes sur PandaChain, vous pouvez oublier. Donc voilà quoi, c'était une petite vidéo assez sympatoche. Et encore après là, on va arriver tout de suite sur le yak pour savoir où est-ce qu'est le yak. Pour avoir cette monture là, donc c'est une monture assez sympathique. Comme vous avez plus rien à faire, donc c'est le yak de Pandarie. On va essayer d'enlever, voilà, les mains en l'air. C'est le yak de Pandarie qui c'est assez sympathique, comme je disais. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le yak de Pandarie. Allez, à plus tout le monde, à tout à l'heure.
Et donc voilà, on se retrouve avec la monture du yak et on se retrouve là où il faut être pour avoir les yaks. Donc je vous fais voir où est-ce qu'il faut aller. Il faut aller au sommet de Kudlai et aller sur le petit chemin qui prend là et qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, qui est là. Regardez bien sur la map, mettez pause, il faut aller ici. Donc quand vous êtes ici, excusez-moi, quand vous êtes ici, vous avez différents types, enfin là c'est tous des blancs. Vous avez le gros qui coûte 3000 PO, alors franchement je l'ai pas acheté parce que ça en vaut pas la peine, à part voilà si vous avez des PO à dépenser et tout, donc on peut pas monter dessus s'il y a un bug. Donc vous avez parlé au Vendor Grumelot, voilà. Ah non, ah non, c'est vrai, il a 120 000, excusez-moi. C'est à 3000 les rennes yak. Donc voilà, regardez, rennes de yak de monte gris. Et là, le renne de yak monte blond. Donc moi, j'ai acheté le gris. Et ici, là, on a le renne de yak de la grande expédition qui coûte 120 000 PO. Donc c'est vraiment hard à l'avoir. Enfin, moi, personnellement, j'ai utilisé presque tous mes PO, comme vous pouvez le voir. J'ai plus beaucoup de PO. Voilà, donc ça va être fini pour cette vidéo parce que voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais voilà, que j'aime bien. Après, il y aura comment avoir un serpent nuage que je vous ferai voir, mais ça va être une petite vidéo jumelée avec une autre vidéo de comment avoir le Navrecorn. Donc suivez bien la vidéo, enfin la prochaine vidéo qui va sortir pour vous mettre l'eau à la bouche, à la bouche, voilà. Ça sera le serpent Onyx. Donc le serpent Onyx est assez simple à avoir. Donc, au pouvoir, il est assez stylé. Et le Navrocorn, alors si je me vois petit, c'est normal parce que normalement je suis un peu plus gros. Donc voilà, le Navrocorn bleu ardoise. Il est vraiment bien. Voilà. Alors, les tutos que je pourrais pas faire si vous me demandez, ce sera pour le faucon du feu vert. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Donc voilà, celui-ci. Et celui-ci, parce que celui-ci s'achète uniquement sur le style, je crois. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, enjoy and have fun. Bye bye tout le monde.